Salut tout le monde, c'est Shister. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 du Let's Play sur le mode sauver le monde de Fortnite. On est enfin à l'épisode 20. On passe encore une dizaine d'épisodes. L'épisode 10 qui était sorti en... Je sais plus... Quand. Je sais vraiment plus quand il était sorti l'épisode 10. Bah je vais vous dire ça. Donc on va aller dans Playlist. On va aller dans ma série. Parce que c'est important. Voilà, c'est important. L'épisode 10 qui était sorti le 7 septembre. Voilà, le 7 septembre. Souvenez-vous de cette date. En plus, le 7, c'est mon porte-bonheur. Donc, ça fait plaisir. Enfin, bref. On va aller dans le nouveau monde en Massylvanie. Ça me fait penser à Pennsylvanie. Je pense pas que je suis le seul. Mais ça va être un monde avec le thème Halloween. Et je vais découvrir tout ça avec vous, j'y suis pas encore allé. Et quand je me suis connecté, j'ai eu deux héros gratuits. Donc je vais vous montrer lesquels. Alors on a... Si ça veut pas bugger. Merci. On a Ramirez, chasseuse au crâne. Et Jonesy, cernivore. Voilà. Je vous montre un peu. Alors bien sûr, moi je préfère Ramirez, chasseuse au crâne. C'est en plus un skin que j'ai acheté en Battle Royale. Donc forcément, ce skin, je vais le kiffer. Je le kiffe déjà de base. Donc on va l'améliorer. On va l'améliorer. Juste au niveau 10 pour voir ce qui change. Et je pense qu'avec ce personnage là, on va avoir des bonus qu'on n'a pas sur les autres. Viser assuré réduit le 20 de 29% le recul. Ça, je crois que il n'y a pas ça sur les autres héros. Augmente la vitesse de rechargement de 30%. Ah oui, ça c'est divin. Là pour le coup, défense d'entrée. Laisse un champ d'énergie de 100% des dégâts initiaux de la grenade 5 secondes pendant 10 secondes. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais bon, on verra ça en temps et en heure. Et évoluer. Ah d'accord. Ah d'accord, ça l'a fait devenir verte. Ok. Bon, ça fait quand même quelques skins d'événements que je commence à avoir. J'ai celui-là. Celui-là que j'adore. Que je mets pas souvent, mais que je mets rarement, mais que je mets pas trop souvent. Je sais pas si vous m'avez compris, moi-même je ne suis pas compris. C'est pas grave. On parle pour rien dire. Et il faut qu'on aille dans le nouveau monde. Même si là je me prépare. Voilà, je me prépare. Et d'ailleurs on est de retour. Je vais réussir à le dire. Sur PS4. On est de retour sur PS4. Faucheur, le fossoyeur. Je peux encore l'améliorer. Et oui, je peux encore l'améliorer. Allez, encore plus d'améliorations. On va en avoir besoin. Ça, c'est sûr et certain. Et là, il me reste... Oh, allez, environ 600 XP pour avoir le niveau 20. On va se débarrasser de ça. Hein. Non, mais sérieux, à quoi ça sert, ça? À rien. Voilà. Et là, on fait pas la bêtise de faire évoluer l'arme sinon parce que bah on pourra plus l'utiliser parce qu'il faudra de la malachite et il faut absolument de la malachite. C'est... Je sais pas, mais la malachite dans Sauver le Monde, c'est un peu...
C'est un peu comme de la drogue en fait, on en a tout le temps besoin. Surtout quand on améliore les armes à un tel niveau que ça en devient plus possible autrement. Voilà. Donc bref, et je voulais faire un truc, et je pense que ça va vous faire plaisir. On va aller dans collection, même si je vais dépenser 20 V-Bucks pour ça. On va aller dans épée. Et regardez ce qu'on va aller chercher. Les tripeuses. Allez, reviens ici, toi. Allez, on reprend les tripeuses. La fameuse épée que j'avais depuis le premier épisode. Hein, depuis le premier épisode que j'ai amélioré en épique et en légendaire. Que j'avais au début en rare. Donc elle date beaucoup cette épée. Frappez le Et on plus va fort ouvrir poisson un longtemps. petit lama. Ah. Hey, vous avez vu ce joli butin? Ah oui. Ah, on a des bonbons. Qui veut des bonbons? Et d'ailleurs, avec l'événement Halloween, si on collecte 500 bonbons, on peut avoir un lama du cauchemar. Et on va essayer d'en débloquer un dans cette vidéo. D'ailleurs, je voulais faire ça aussi avec vous. Voilà. Le dernier. Comment dire? La dernière capacité qui me restait dans la recherche de palier 2. Maintenant, je l'ai. Comme ça c'est complété. Par contre, pour l'arbre des talents palier 2, je peux tout simplement pas encore prendre ça. Parce qu'il faut qu'on atteigne défense de bouclier. Ah ouais, 7. Défense de bouclier, vide planche 7. Ah oui. Ah oui, donc c'est pas pour tout de suite. Sachant qu'on n'a même pas fait la 4. Et en 20 épisodes, on a fait que 3 défenses de bouclier à vil planche. En 20 épisodes. Donc, quand j'ai commencé cette série, et je me suis dit dans ma tête, je vais mettre 0-1. 0-2, 0-3. Parce que je me suis dit que la série, elle va faire 100 épisodes. À coup sûr. À coup sûr, sûr et certain. Ah oui. Ah oui, d'accord. Calamité, as de la gâchette. Obtenir monnaie. 3200. J'ai 3073. Bon, et bah vous savez quoi, on va aussi faire ça dans cet épisode. Waouh, mais quel planning! Non, je pense que je vais faire des coupures là parce que ça fait 10 minutes qu'on est sur le menu et qu'on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Et il est temps d'aller en Massylvanie. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que il faut aller dans le nouveau monde. En fait, j'avais dit que pour le 20e épisode, on avancerait dans l'histoire principale. Mais avec l'événement qui tombe là, l'histoire principale va être un petit peu décalée. Voilà, on va un petit peu s'évader, si on peut dire ça comme ça. Quoi? Oh, la musique. Oh, j'ai les ailes. J'ai les ailes de. On a les ailes du Battle Royale.
Et pour ceux qui ont joué à la saison 1 de Fortnite, ça, c'était le lobby, le thème du lobby de la saison 1 de Fortnite. Ça fait plaisir de revoir ça. Ah, bah en plus, je suis accompagné de certaines personnes. Les gros yeux du 16 et Itchy Boy. Bon, bah, bonjour. Explorer la Massylvanie, essayer de survivre, avoir de la chance. Donc ça, c'est la première mission. Et on débloquera 250 bonbons. Franchement, c'est génial. D'ailleurs, là, j'ai complètement oublié. Mais j'étais en train de faire un montage. Le montage d'une vidéo détente sur le Battle Royale. Où j'avais acheté les skins Halloween de chasseuse au crâne. Et ensuite, je montrais à la fin que j'avais pris le Skull Trooper. Donc ça date. Ça commence à dater de presque du début du mois. Disparaît. Et il faudra que... Bah que je vous montre, Impossible. Ça. Parce que la vidéo ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai pas encore monté. Je vais vous faire peur. Cet endroit est malsain. Je sais pas bien à quel type de mal nous avons à faire. Des étudiants sanguinaires, des petites filles possédées, des diablotins, des dames blanches. Des poupées, des Dracula, des momies, des banquiers. Il faut s'attendre à tout. Si on doit des banquiers. J'ai besoin de savoir par quoi. Mais je préfère que vous meniez l'enquête. Et qu'est-ce qu'on trouve? Si une petite voix dans votre tête vous dit d'aller vous cacher, c'est que vous êtes sur la bonne piste. Ok. Hors de mon chemin. Ah bah j'ai vraiment bien fait d'améliorer mon arme. Ah non, 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 non. Non, il y a un problème. Non, parce que là, je détecte une présence imposante. Ah ouais. Sur votre carte. Tout d'un coup, comme Soyez ça, tu brave. Parles en anglais. S'il vous plaît. Je sais que je dois améliorer mon anglais. C'est un complot. Oh oui. Ah, c'est magnifique ça. Je voulais vous montrer ça, mais je pensais que... Bah... J'ai pas mis l'effet pourtant. Je voulais le mettre avec vous, l'effet. Mais là, il s'est mis tout seul. Je sais pas comment ça marche. L'effet de flamme ou... L'effet bleu, là. J'ai encore plein de choses à apprendre sur Sauver le Monde. Et je joue, on va dire... plus souvent en vidéo que hors vidéo, donc il vaudrait que je joue beaucoup plus hors vidéo. Ah ouais, non mais là le fossoyeur fait beaucoup plus mal. Non, l'arme elle fait beaucoup plus mal. Là elle est au niveau 58, ça rigole pas. Enfin, on a une bonne arme. Des catacombes. Quand on ne sait pas si on veut enterrer ses morts ou refaire la déco avec. Il y a rien de mieux qu'une catacombe. Oh, ah ouais, mais je vois une shot les ennemis. Je détecte une très forte souillure de la tempête dans les catacombes. Gross. Par contre, gross. Il faut vraiment que j'arrête de recharger à chaque Sauf fois si que si vous tenez à vous faire de vieux os, je vous rappelle que le mal rôde. Avant, j'avais ici. Le tic de la pioche. Allez, maintenant, j'ai plus le tic de la pioche. Horrible. J'ai le tic de recharger. Mais même quand j'ai encore assez de balles, je recharge pour rien. J'ai noté la prochaine zone malsaine sur votre carte. Merci d'avance et désolé. Explorer la zone suivante. Mais ça a l'air cool. En plus là on est presque full bois, full brique et full métal.
Donc ça va, ça se passe bien. Salut les monstres! Coucou les monstres! Au revoir les monstres! Ils ont pas de skin particulier. Aïe 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 aïe. Impossible. Non par contre ça c'est... C'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Je préfère largement ça aux catacombes. Let's take a look around. Voilà. Maintenant, je vais rejoindre l'objectif. Donc j'avais marqué dans un commentaire dans un prochain... sur les carcasses. Qu'est-ce que je raconte, mais qu'est-ce que je raconte comme manuel, moi. Dans l'avant-dernier épisode, j'avais marqué en commentaire ce qu'il y a de plus malsain. Que je décide maintenant de faire ce montage. Et il y a eu des likes sur ce commentaire, donc apparemment ça vous plaît. Et je suis content. Je suis content. C'est vrai que la vidéo comme ça, elle est beaucoup plus rythmée. Je fais pas ça tout le temps, mais quelquefois c'est vraiment bien. Après, quand il n'y a pas de moment ennuyeux, je vais pas couper la vidéo pour rien. Quoi. Après, si tout est intéressant dans la vidéo, je vais pas couper. Effectivement. Non. Mais elle est magnifique cette maison. Non. Mais qui habite ici? Oh, un coffre. Des munitions, cool. Effectivement, cool. Des échecs. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici, en fait? Que doit-on faire? À part tuer des milliards de monstres. Ah oui! Ah, il est magnifique le. C'est un château ça! Oui, c'est un château. Il est magnifique le château! Ah, l'architecture de cet endroit est vraiment plaisant. Il y avait un spectre. Oh oh, ça sent mal. Regardez votre carte. Et avant, je prenais des années à les tuer, les spectres. Maintenant, avec le fossoyeur amélioré, je les tue en quelques balles. C'est tellement plus pratique. Franchement, ça fait du bien. De voir qu'il y a vraiment eu de l'amélioration. Recruter. Non. Yeah, you wish. Yeah, you wish. Toujours pas traduit cette phrase. You wish. Explorer la dernière zone indiquée. Ah bah on y est. Bon bah désolé la super structure. Je prends un raccourci. Bonne nouvelle. Là c'est plus Fortnite, nous c'est... Nous avons trouvé l'endroit le plus malsain. Assassin's Creed. Le château de Vlad. Selon les personnes, Vlad était soit un meurtrier sanguinaire, soit un homme d'affaires accompli. Dans les deux cas, je vous déconseille la cave. Allez jeter un coup d'œil. Mais faites bien attention. Rendez-vous sur le lieu du crash pour un de nos drones a subi des dégâts. Les carcasses ne doivent pas détruire le drone. Allez sur le lieu du crash. La cave. Mais c'est génial.
Oula, je tourne des bulles bizarres. Mais qui y a-t-il derrière cette porte? Du matos. Une porte qui mène à rien. Il y a un passage secret ou quoi? Oh, oh géant. We need to run full storm reading on the castle. J'ai trouvé l'endroit idéal pour déployer un capteur. Regardez votre carte. Bonjour. Y'a quelqu'un? C'est l'inspecteur des impôts. On vient réclamer notre dû, monsieur. Ça fait 30 ans que vous avez pas payé vos impôts. On vient en toute tranquillité. J'espère que ça vous dérange pas. Bon, on vous vole un peu certaines choses aussi. Wow. C'est un coffre, ça. Moi, je comprends rien. Mais pourquoi on doit remonter Ok. Ok. Il faut qu'on pose des capteurs. Un ici. Un ici. Un ici. Et le numéro complément. Terry. Ici. Et voilà, c'est tout. Oh oh, carcasse en approche. Vous avez le temps, temps de avant l'attaque. La zone autour des capteurs. Pourquoi? On va se faire attaquer. Oui, bah si on va se faire attaquer, les gens qui sont avec moi, ils peuvent pas venir m'aider, non? 4 minutes. Comment vous voulez qu'on protège tout ça en fait? C'est pas possible. Voyons. Ah oui, comme ça. Alors comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, c'est une bonne technique, hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait poser des pièges. Pas possible. C'est bête de ne pas y avoir pensé. Ensuite, ici, bon, bah, on va poser un piège. Un deuxième. Un troisième et un quatrième parce qu'on dit jamais 204 et ça c'est moi qui l'ai inventé. D'ailleurs pourquoi il y en a un, il a dit jamais 203? Et je veux dire, enfin, pourquoi 203? Pourquoi jamais 204 ou pourquoi jamais 205? Jamais 205 ça rime bien. Comme il y a des expressions, quoi. Tellement de questions, pas de réponse. C'est là que je me dis, mais les expressions et tout ça, elles ont bien été inventées par une personne en particulier. Mais imaginez, c'est un truc de fou.
La personne, elle a dit ça dans sa vie. Les personnes qui ont entendu ça, ils l'ont répété aux autres. Répété, répété à leur génération. Alors, aux générations suivantes. Et patati, et patata. Et ça s'est propagé comme un virus. Et voilà. Effectivement. Non. Non. Pas possible. Oh. D'ailleurs, moi j'ai pas de chance avec le truc de 100 fois parce que tout ce qui m'est arrivé dans la vie deux fois, ça m'est arrivé une troisième fois. Mais la loi du 203 pour moi, elle est applicable. Hein. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que c'est... La faute a pas de chance. Bonsoir Ragnarok. Je suis quand même la meilleure. Bon, quand je fais cette vidéo, il est 3h du matin, excusez-moi. Normalement, je devais la faire un peu plus tôt, mais... J'ai passé trop de temps sur YouTube. Impossible. Donc c'est pour ça que maintenant il est 3h du matin et que je dois faire la vidéo. Hein. Eh oui. Suivez-moi. Yeah, you wish. Recruter. Je prends du galon. Mais normalement, on avait les ailes. Et pourquoi j'ai plus les ailes? Bah bon. J'arrive. Quoi, j'arrive. Adieu. Ah oui. Les monstres. Ah non. Comment je fais pour... Oh là là. Ah d'accord, c'est ici. La sortie. Ah, il faut venir ici bien préparé, hein. Parce que les monstres, ils sont maximum level 28, hein. Ça rigole pas. D'ailleurs, normalement, je devais faire plusieurs vidéos cette nuit, mais là j'en ferai qu'une parce que la vidéo sur GTA, je la ferai dans la journée. Parce que là, non, trop fatigué. C'est pour ça que des fois je me dis, même si je gagne pas d'argent avec YouTube ou quoi. C'est destiné à en faire mon métier parce que même si j'ai rien à y gagner, je fais plaisir aux gens, je me fais plaisir à moi-même et ça fait que je considère ça comme un travail parce que même la nuit à 3h du matin je tourne une vidéo. Si je dois tourner une vidéo, je la tournerai. Combien de fois je me suis levé la nuit pour faire une vidéo que je devais faire et que j'avais pas fait la journée. Après bien sûr je me force pas quoi.
Ah, c'est sûr que je me pars pas. C'est juste que moi, de base, quand j'ai planifié quelque chose, il faut que je le fasse. Et quand c'est des trucs simples, ça va. Et quand c'est des trucs compliqués, des fois je m'étonne moi-même. C'est comme la tenue d'Omega. Pour ceux qui ont joué à la saison 4 de Fortnite, les couleurs d'Omega qu'il fallait débloquer au niveau 80 de la saison. Je peux plus débloquer maintenant. Et bah, il fallait atteindre le niveau 80. Et moi, avant la fin de la saison, quelques semaines avant, bah je venais juste de me recréer un compte et remonter tous les paliers, tout ça. Enfin, sur mon ancien compte, j'étais niveau 70 environ. Et donc, je sais pas comment j'ai fait, mais avec un compte qui était beaucoup plus, que j'avais créé et qui était beaucoup plus près de la fin de la saison, j'ai réussi à atteindre le niveau 80 en jouant presque H24. Et ça s'est joué à rien, parce que si j'avais commencé trop tard, j'aurais pas eu la tenue. Et j'ai eu un boost d'adrénaline qui a fait que c'est le jour où j'ai fait le plus de top 1. C'est-à-dire j'étais tellement déterminé à avoir les couleurs d'Omega que j'ai fait 4 top 1 de suite. Et 4 top 1 de suite, c'est énorme pour mon level. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près 10 top 1 en une journée. En une journée. Alors que pour vous dire, sur mon ancien compte, j'avais pris des mois à atteindre les 10 top 1. Et là, en une journée, j'avais atteint 10 top 1. C'est-à-dire que quand je suis déterminé, je suis déterminé. Si j'avais été déterminé à faire des études, j'aurais été déterminé. Sauf que tout ce qui concerne l'école et tout ça, j'ai jamais trouvé la détermination. Genre vraiment. Ah, j'ai plus de balles. Je me disais en même temps, pourquoi je peux plus tirer? Ah bah c'est sûr que si j'ai plus de balles, c'est logique que je ne puisse plus tirer. C'est tout à fait logique. Allez, petite tourelle. Allez, let's go. Et depuis ce jour-là, j'arrive plus à refaire ce que j'ai fait pour les couleurs d'Omega. Je pourrais pas comprendre comment j'ai pu faire ça. Moi-même, j'essaye encore de comprendre. Pas possible. L'adrénaline, c'est juste un truc hallucinant. C'est comme des pouvoirs de super-héros, en fait. Clairement. Quelque chose qu'on n'est pas capable de faire en temps normal. Mais quand on est motivé à avoir quelque chose, et le truc c'est que quand on y arrive, la satisfaction est énorme. Elle est énorme.
éliminer les carcasses. Non. Hop. Oui. Ah, on a fini. Ah bah d'accord. Bon. On a fini. Ah butin de niveau 5. Ouais, c'est pas mal tout ça. Allez, on va voir ce qu'on a débloqué. Chargement. Ah, je commence à bâiller, moi. Hop. Ah, 250 bonbons. 250 bonbons. Non, on n'a pas d'autre mission. Ah d'accord. On a 200 V-Bucks pour la mission défense 3 de Morne-la-Vallée. Ah oui, ok. Oh là là. Ça paraît tellement loin, Morne-la-Vallée. Mais là, maintenant que j'ai amélioré le fossoyeur, ça ira beaucoup plus vite. Bon, on peut ouvrir des lamas? J'ai pas reçu de lama. Cherchez l'endroit idéal pour tester le piège à tempête. Éliminez 300 carcasses citrouilles au cours de mission réussie. Explorer un château des subtilités. Château. Ah oui. Ah oui, il y en a des trucs à faire. Hein. Piéger la tempête. Bon, on va faire ça. Hein. On enchaîne. Hein. On enchaîne. Oh là là, la musique. On dirait la musique d'un film d'action. Franchement, moi j'aime bien. Et là, pour le coup, vu qu'on est dans le thème Halloween, je vais totalement changer la miniature. Et je vais faire un truc assez sympa. Comme vous savez, autour de mes miniatures, je mets, on va dire, un cadre bleu avec un mélange de rose. Bah là, je vais mettre du noir et du orange pour faire le thème Halloween, tout simplement. Avec un thème avec un peu d'ombre, un peu plus sur la miniature, je pense que ça peut bien donner. Ouh ! En tout cas, ça fait plaisir de retourner sur PS4. Je suis un joueur. Même si je joue des fois sur PC, je suis un joueur PlayStation dans l'âme. C'est... Pour moi, c'est impossible. Je vois la cible. Après, c'est sûr, j'adore jouer sur PC. Impossible. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir les deux.
le PC pour jouer au jeu en plus beau et avec les mods, et la PS4 pour le kiff en fait. Ce qui me fait rappeler que quand j'ai voulu jouer à GTA Vice City, je me suis pris la tête pendant plusieurs minutes. Et que finalement c'est parce que j'avais Fortnite de lancer sur mon PC, donc GTA Vice City voulait pas se lancer. Voilà. C'était un truc tout bête. Je me suis pris la tête là-dessus pendant plusieurs heures. Donc il faut qu'on découvre les châteaux. Castle Mormest. Écoutez, château la brume découvert. Quand on l'accusa d'être un vampire, Vlad répondit en invitant les villageois dans son château. Il n'y eut aucun survivant. Ah, c'est quoi cette musique? C'est pas mal ici. Plaçons-le ici. Déployez le piège. Ah, ça vient d'un... Ah, ça vient d'un artiste de musique classique. Oh là 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 là. Activate the trap when you're ready. Une fois le piège à tempête activé, il faudra le défendre. D'accord, faudra le défendre. Mais il faut le protéger aussi, non? Bon, désolé, je t'enferme, hein. Ah, je suis un enfer. It's working. It's working. Until the storm is completely contained. Ah, j'aime bien la voix en anglais. Ah, c'est eux, les monstres de citrouille. N'ayez pas la trouille et flanquez-leur la citrouille. Comme la description du skin là. Dans le pass de combat. Ils font vraiment des bonnes blagues. Et puis James. Ah, j'ai cru que c'était un... J'ai cru que c'était un joueur. Je me suis dit, lui, il a pas l'air très net. Ah bah oui, forcément, c'est un monstre. Forcément. Oh là, il a fait tellement de dégâts cette arme. Oh, géant. Et ça sert à quoi ça? Pur hasard. Allez, barre-toi. J'espère que pour le premier lama d'Halloween, on va vraiment avoir un truc sympa. Ça serait cool. Ça serait cool, Raoul. Allez, meurs. Meurs dans notre souffrance. Oh, meurs. J'ai plus de chargeur. J'ai plus de chargeur. Mais si. Ah bah non, t'as presque plus de munitions. Effectivement. Voilà, normalement, là c'est bon. Et oui, j'ai beaucoup farm. Hein. J'ai prévu l'éventualité de ces affrontements assez... mélodieux. J'essaye de parler de manière philosophique. J'espère que ça vous plaît.
quand même bien d'être original. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Trouver le lieu du deuxième piège. La tempête est trop puissante pour un seul piège. Je vais préparer un piège. Cherchez un bon endroit pour placer le piège à tempête. Dépêchez-vous. Là-bas. Nous n'avons que 10 minutes pour construire des défenses et activer le piège. Activer le piège suivant ou ce sera l'échec. Hein? Mais où? Où? Là-bas? Ça là? Palais de l'oubliette. Le guide dit qu'une oubliette est un grand trou dans lequel on balance ses ennemis. Sympa. Construit par le comte de la chute qui fut balancé dans sa propre oubliette. Ça c'est pas Beethoven. Non. Alors j'écoute pas souvent de la musique classique, mais j'essaye quand même d'améliorer ma culture, mais ça c'est pas du Beethoven, non. Une fois le piège à tempête activé, il faudra défendre. C'est pas le même style, c'est pas le même style. Longtemps que le premier. C'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais... C'est un artiste qui faisait des musiques comme ça. On les voit souvent dans les... Dans les musiques de château... Les histoires de vampires et tout ça. Je sais pas comment il s'appelle. Non. Oh là 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 là. It's working. Protect the trap. Bon, ils sont où les monstres? Ils sont là les monstres. Ils sont plus là les monstres. Parce qu'ils sont morts. Petite tourelle. Comme d'hab. On change pas les habitudes. Ah là 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 là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je sais plus. J'aimerais bien savoir parce que... Ça me trotte dans la tête. Hein. Non, ce serait pas... Non. Ah là 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 là. Comment se prendre la tête? Enfin, un truc tout bête, hein. Mais genre vraiment. Là, je regarde la liste de tous les artistes de musique classique. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en fait, si, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Donc, si je dois écouter chacune des musiques de chaque artiste pour trouver la bonne musique, ça va être.
Ah, j'irai chercher. Au pire, j'irai chercher en vidéo. Soit j'irai chercher, soit je vais oublier. Mais je sais que c'est un artiste qui est connu pour ça. Ah, allez, relève-toi, c'est rien. C'est qu'une égratignure. C'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent. Et malheureusement, quand ça arrive, eh ben ça arrive. Vous avez piégé la tempête pour le moment. C'est ma règle, j'apporte les chemins et j'empoche les butins. Mais bah voilà. Allez, à des points de talent en plus. Ça fait plaisir. Ah là là. Oh, on a encore le butin de niveau 5. Et on est bien là. Hein. On est bien. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Non, en fait, j'ai pas trouvé. Oh là 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 là. Catastrophe, hein. Ah, et bah, on va pouvoir finir l'épisode sur ça. Donc déjà, on va pouvoir prendre Calamité As de la Gâchette. Mais genre, direct. Ensuite, on va aller dans Héros. Et dans Héros, on va mettre ce héros en favori. Voilà. On va mettre... Ah, c'est un soldat. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a en plus? Augmente les dégâts de 6 coups. Éliminer de... Oh oui. Ah, oh, on a le 6 coups avec Calamité, ça fait plaisir. En favori. En favori. En favori. En favori. En favori. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. On a tout ce qu'il nous faut. Calamité. D'ailleurs, on va
changer deux personnages pour voir comment elle rend. Magnifique. Donc ça c'est la face 0. Et après bah, quand on va l'améliorer, on aura les différentes améliorations comme le Battle Royale en fait. Et donc maintenant on va aller voir le lama du cauchemar. Non! Ne m'oubliez pas! Oh non. Oh non. Oh non. J'ai eu... que... oh non. Ils m'ont donné du double. Alors là, pour les skins, c'est lamentable. Le seul truc qui est bien, c'est qu'ils m'ont donné un survivant que je peux placer. Je sais plus où. C'est quelque part par là. Ah voilà. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Parce que du coup, c'est pas ça. J'ai eu une arme, mais ouais, non, je suis bon. C'est le premier lama. J'aurais pu avoir des trucs beaucoup plus intéressants que ça, quoi, quand même. Au moins, je le méritais, quoi. Bon, et qu'est-ce qu'on a par la suite? Récupérer les données, 50 bonbons. Ouais, pour chaque mission qu'on fait, on gagne des bonbons. Ouais, je pense que... j'ai la tempête, combattre la tempête, lâcher la foudre. Allez, en dernier. Niveau 12. Je veux juste tester le 12 coups. Voilà. On fait ça et après on arrêtera là. Bon bah dans cet épisode on aura fait beaucoup de choses hein. On aura eu beaucoup d'héros en plus. Mais là c'est vrai que je me retrouve bloqué parce que vu que j'ai pas beaucoup plus avancé dans l'histoire, et bah tout simplement je peux que améliorer mes héros jusqu'au niveau 30 et pas plus. Après c'est sûr que si je peux les améliorer encore plus loin, ils vont être encore plus cheatés. Mais là pour l'instant j'ai que deux héros au niveau 30. C'est la secrétaire de guerre et la fille au bonnet bleu. Voilà. Bon, je sais qu'elle s'appelle pas la fille au bonnet bleu, mais je l'appelle comme ça parce que je l'appelle comme ça, parce qu'il est 3h du matin et parce que j'ai pas envie de prendre la tête. C'est l'heure de faire le plein. Je dois vite retourner dans les nuages.
On se dirige vers bon. Vous. Ramassez toute la bleulite que vous trouvez. Je suis seul là. Je suis seul. Station thermale du cimetière sacré. Pas la peine de vous faire un dessin. Mais ça fait quand même qu'il y a un bon restaurant. Attends. Ouais, non. Non, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Je sais pas, je sais pas. Ça doit être un artiste que j'écoute tellement jamais. À des rares occasions. Encore, ça va, Beethoven, je connais parfaitement. Mais le reste, non. Merci, commandant. Après, j'écoute pas ça tout le temps, quoi. Puis je vois pas ce qu'il y a de mal de goûter la musique classique. Il y a de très très beaux morceaux. Pour une musique qui date de... des années... fin 1700-1800. Ouais, ça date. Hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle musique classique. Convaincre les survivants de sortir de leur cachette. J'ai la solution. Ça me semble être l'endroit idéal pour répandre un message d'espoir. D'accord. Déployez le système d'urgence malsylvanien à Manivelle. Salut les malsylvaniens. Arrêtez un peu de vous cacher. On va vous retrouver. Ça sonnait mieux dans ma tête. Ouais. Ça sonnait mieux dans ta tête, effectivement. Les survivants n'ont pas l'air tellement décidés à se montrer. Nous devrions peut-être revoir notre message. Mais il y a plein de quêtes, mais c'est génial. Le phonographe d'alerte. Malsylvanien, nous venons vous sauver. Cours, amical, parfait. Non mais, ça va. On a compris. Merci. Oui donc. Oui donc, je fais n'importe quoi. N'importe quoi, espèce de tronc d'arbre tout pourri. Alors, c'est en bas. Et toi, tu vas pas me saouler longtemps. Merci. Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme que ça. Bon, réessayons. Moi qui croyais déchaîner les foules en proposant aux gens de ne pas mourir. Bon, changement de plan. Tentons la répétition. Vous êtes en danger, vous avez besoin d'aide. Alors venez à la base, la base, la base. Le seul moyen d'échapper à une mort certaine. Une mort certaine. Une mort certaine. Une mort certaine. Non, je sais ce que vous allez dire. Je vais régler ça. Non, mais... What the fuck. Ah non, mais là, on est vraiment... Là, pour le coup, j'ai envie de rester dans ce monde pendant tout Halloween. Ça va tellement bien avec le thème. Ah, quelqu'un m'a rejoint. Mais du coup, il y a tellement de trucs à faire que... Je vais finir par en faire une affaire personnelle. C'est tellement... Nous, on leur propose de les perdu. Sauver et eux s'en tamponnent le... Je sais pas s'ils ont des coquillards par ici. Oh, je retente. Vous ne m'aimez pas? Eh bien, moi non plus. Venez au moins à la base, quoi. Oh là 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 là. Hein? Lance un pétard qui provoque un petit boum boum. Des... Quoi? Des pétards? Il y a des pétards! Il y a des pétards! Je peux les tuer avec des pétards, il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun respect pour ces monstres. Je les tue avec des pétards.
plus, ils font beaucoup de dégâts. Et là, on a des bouteilles fusées. Ça sert à quoi, ça? Ah, ça bug. Ah non, ça, c'est pas sûr. Oh, c'est quelqu'un qui a rejoint. C'est pour ça. Ah, c'est des feux d'artifice. Et ça, c'est la signe. On va la fabriquer pour voir. Non mais... Oh non. Je le sens mal. Ah non, il essaye de m'enfermer. Ah ça c'est chiant. Oh non, laisse-moi. Oh non, punaise. Bon, vite, il faut que je trouve le van. Ah, il est là, le van. Mettez de Coucou. La monolithe pour le préparer. Je l'ai trouvé. Mais il y en a 15 dans ce monde vous ou dans les pas, autres mondes. Eh bien, moi non plus. Venez au moins à la base, quoi. Ça restera notre message d'alerte. Je sais pas comment ça fonctionne. Là, il y a un autre château. On va y aller pour la quête. Mais il y en a beaucoup de châteaux. Château des suppliciés. Ça dit qu'il a été construit avec les os des ennemis vaincus. Je commence à me dire que je n'aime pas ces gens-là. C'est quoi les points là? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, les châteaux, c'est un véritable labyrinthe. On s'y retrouve pas. Et pour le truc à chercher, je le trouve pas aussi. Il est peut-être derrière le mur, j'en sais rien. Ah bah oui. Malgré quelques pépins, les bon. Survivants commencent à arriver. Mais je dois dire que c'est uniquement grâce à vous. Vous ne m'aimez pas, et bien moi non plus. Venez au moins à la base, quoi. Je vous aime bien. J'étais juste un peu énervée. Oh non mais... Calme. Ah bah d'accord. Un coup ils me disent en bas. Un coup c'est en haut. Ah c'était le piano. D'accord. Ah ah. Non c'est pas ça. Il doit y avoir quelque chose dans la pièce. Et c'est Allez, un phonographe. Phonographe d'alerte. Vous ne m'aimez pas, et bien moi non plus. Venez au moins phonographe. À la base, quoi. C'est contre-productif. Bon, je sais où chercher un nouveau disque. Ça va être pénible. Bon. Et bah maintenant... On va aller vers le van et... Et j'ai toujours pas testé cette arme en plus.
Apparemment, c'est le seul truc intéressant que j'ai eu dans le lama. On va tester ça. Vous savez quoi, si je gagne des bonbons, j'ouvrirai les lamas avec vous. Ah, c'est une mitraille. Aïe, 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 aïe. Oula. C'est un genre de mitrailleuse en fait. C'est comme une mitrailleuse. Ça a l'air sympa en tout cas. Ça a l'air vraiment sympa. Je vais prendre 4 bleus lit. Parce que là, pour le van, il va me falloir de la bleu lit. Où on n'a jamais assez de bleu lit dans Fortnite. Oh, nice. En tout cas, j'espère que cette vidéo des couleurs vous aura plu. Mais j'aurais dû la faire quand j'étais un peu plus réveillé tout à l'heure. Oh là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, d'habitude, quand je fais une vidéo, après je fais le montage. Tellement crevé que ça va pas être possible. Donc j'aurai deux vidéos à faire en montage. Plus la vidéo compilation des 50 top 1. Et... il y en a du boulot. Il y en a même beaucoup. J'y suis allé dans le château là-bas. Je crois. Hein. Je sais plus. Tuer le mimique. Même dans ce monde-là, il y a des mimiques. Comme quoi. Toi, meurs. Bon, maintenant, j'ai envie de me casser. Ah. J'aurais dû faire des défenses. Bon, vous savez quoi? Moi, je dis qu'on n'en aura pas besoin. Oh, c'est classe. Ça remplace le minigun. Ça fait pas autant de dégâts. Mais rien que le fait d'avoir les deux pistolets dans les mains comme ça, c'est classe. Personnellement, je kiffe. Vous ne passerez pas. Cri de guerre. Le fameux cri de guerre. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh là là, j'ai besoin de dormir. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est aller dormir quand je suis vraiment crevé. Parce que je sais pas, mais quand on va dormir alors qu'on est vraiment crevé, bah on s'endort rapidement. Et et je sais pas, et on dort mieux. Après, ça dépend.
Ah mais ils arrêtent pas de passer par certains endroits là. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Sérieusement. Je n'accepterai pas de telles choses. Oh là là, comment on le bourre. Comment il se fait tuer à une vitesse. C'est magique. Pas mal. Il faudra encore un peu de bleulite. Ajoutez de la bleulite et préparez-vous à défendre le van. Ah bah. Activez l'interrupteur dès que tout est prêt. Je voulais le faire moi-même, mais. Si tu veux. Défendez le van. Il y a un bonus activé. Ouh, là on a un bon point de vue. Excellent point de vue. J'ai pas un snipe. Ah si. Ouais non. Il a voulu me frapper. Il se rend pas compte. C'est largement mieux de garder le fossoyeur. Parce que déjà le snipe il est bleu. Et c'est un sniper semi-auto. Et j'aime pas les snipers semi-auto. Et je pense que je ne suis pas le seul. Les snipers coup par coup, c'est les meilleurs. Parce que déjà ça fait plus de dégâts. Mais les snipers semi-auto... Ma sensibilité, elle est bizarre, non? Non. Elle est normale. Je sais pas. Ça, c'est encore les effets de la fatigue. Bah. D'accord, j'active ma compétence alors qu'il y a plus d'ennemis. Le truc qui n'a servi absolument à rien. C'est pas encore la technique. Ouais. En fait, la technique pour les tuer, eux, c'est de passer derrière eux et de les attaquer. C'est simple en fait. C'est très simple. Au début, je les trouvais chiants. Mais après, quand on sait comment les tuer, bah, ils sont pas si terribles que ça. Regardez, on tourne autour. On passe par derrière comme ça. On tire. Et ma technique ne marche pas. Voilà, comme ça. D'un seul coup. Non. Voilà. Ou au pire, mon coéquipier me tire dessus. Ça marche bien aussi. Ça marche très très bien. Lentement dans 3, 2, 1, décollage.
Et pour la fin de la mission, j'ai plus de balles. Et bah tout est bien, tu finis bien. Bon là c'est plutôt tout est bien qui finit mal. Oh. Oh. Ah là je franchement je sais pas faire. Là je joue mais mon cerveau il me dit lit dormir. Je pense plus à autre chose que dormir. Wow. Maintenant le niveau 4, 4 800 $, 50 bonbons. Ouais. Bon bah j'espère que pour mon prochain lama, ça sera meilleur. Ah oui, je voulais faire un truc. Je voulais améliorer mes héros. Parce que là, il serait temps. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Bonus d'équipe. C'est une bonne équipe. Là, il y a un bonus assez conséquent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si elle, je la mets... Ah, on peut pas. Ah, c'est fou, hein. On enlève ce personnage-là et ça me fait perdre 3 niveaux. Bon. Il y a tellement de personnages à améliorer que je sais pas. Bon, on va aller au début. Déjà, et... On va améliorer le personnage ici. Allez. Niveau 37. Ouais, non, là, on gagne rien. Ah d'accord, je comprends mieux en fait. On gagne plus en améliorant le leader que les membres. Bah oui. Quoique. Ah mais c'est long pour monter là.
C'est normal qu'à ce point-là, ça prend autant de temps. C'est normal ou pas? What? C'est presque... C'est presque un enfer pour monter niveau 38. Allez. Niveau 38. Waouh. D'accord. Bon, je sais pas encore comment ça fonctionne, mais bientôt ils vont simplifier le fonctionnement des survivants. Apparemment, là on voit les bonus. Durabilité du piège. Il faut jouer sur les bonus en fait. Comme là. Là il y a 4 bonus pareils. Et ce bonus c'est curieux. Assorti. Donc vu que c'est assorti, ça me donne un bonus de bouclier. Bonus de régénération du bouclier. Et si je l'améliore? Je comprends pas encore comment ça fonctionne. J'ai encore du mal à comprendre. Mais bon. Je sais que en tout cas, il faut que je mette des survivants de rareté supérieure à certains endroits comme là. Ah oui, au pire, je fais ça. Et... voilà. Après, c'est vrai que ça, je peux l'utiliser pour la collection. Au pire, vous savez quoi, je le reprendrai plus tard. Là, il y a trop de... il y a trop de trucs, voilà, il y a trop de trucs. Il faut que j'aille dormir. Là, je suis totalement perdu. Il va falloir que je fasse le montage, tout ça. Donc là, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et nous, on se dit à la prochaine. C'est tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.